Yannick Martinez, départ d'un Grand Vélo Game plus vieux. Hein. Ouais, plutôt plus vieux, et puis je pense qu'on aura aussi du vent quand on va sortir de la ville, quoi. Donc ça va être une course un peu de bordure et puis de courageux, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait peur ? Un petit peu, ouais, c'est vrai que on a toujours aussi peur de la chute, quoi, surtout dans ces conditions-là, donc voilà. Ouais. Oui, il y a moi qui ai une bonne pointe de vitesse, il y a aussi Johan Gen aussi qui va vite au sprint, et puis il y a Jimmy Engoulevent qui est venu pour ce week-end-là, donc on a aussi plusieurs cartes à jouer. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce sera quoi pour l'équipe Europcar ? Bah, ça sera le sprint et puis se glisser aussi dans l'échappée, qu'on va essayer. Ouais. Le KML, ça vous fait peur ou pas ? Non, on va prendre l'habitude. Sur toutes les classiques, on passe souvent sur les mêmes secteurs pavés, les mêmes monts, donc ça nous fait pas trop peur, non, ça va. On sert l'habitude. Le piège sur Grand Vélo Game, c'est quoi ? C'est les chutes ? Le piège, ça va être les chutes, oui, je pense, ouais. Être bien placé. Courir devant, quoi. De toute façon, quand il pleut, il faut toujours courir devant, donc la pluie et puis voilà, les chutes et sûrement aussi le vent qui va sûrement jouer aujourd'hui. Ouais. Quand on voit, il y a deux jours, Greg Van Avermaet au sol, Fabian Cancellara au sol, ça fait réfléchir sur comment ça se passe dans le peloton, la nervosité ? Ça fait pas forcément réfléchir, non. Bah, après, chacun fait sa course et voilà, chacun prend des risques ou pas, donc... Ouais, bah après c'est chacun, c'est un avis personnel, quoi. Ouais.